Bonjour à tous, c'est Loulou. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvel épisode, deuxième onglet de la série Un jour un coup de grue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la pose d'un escalier en préfabriqué. Donc, c'est des escaliers qui sont déjà tout faits, qu'on vient juste poser sur le support, poser à l'endroit où il doit aller. Je tenais à vous remercier. Putain, soleil dans la tronche là, ça fait du bien. Ça fait un moment que ça n'a pas été comme ça à Lyon là. Je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au premier épisode de cette nouvelle petite série. J'ai cru comprendre que ça vous avait bien plu, donc tant mieux, on va continuer cette petite histoire ensemble, et voilà, bon visionnage à vous. Ouais. Eh ben on va essayer de se faire ça bien. Le premier qu'on doit poser est en dessous, ça arrive. Oh, il est lourd quand même ce truc là pour un si petit escalier là. 6 tonnes il fait déjà. Il doit être bien épais, ouais. Bien massif l'escalier. Donc pour un escalier, pour réduire les chaînes, pour le mettre comme il veut aller, pour le mettre à niveau. Donc il y a une mesure à faire, tu mesures entre le point d'ancrage haut et le point d'ancrage bas, et après tu fais ton calcul. Alors je sais pas trop comment ça, moi je n'ai jamais fait de calcul, mais il y a un petit truc à faire. Donc là on va lui amener les chaînes, enfin le moufle en bas avec le haut de la paire d'élingues, là où il y a le réducteur de chaîne. Comment réduire des chaînes? En fait le principe c'est que tu as des petits crochets en haut de la paire d'élingues et tu glisses les maillons à l'intérieur, et du coup ça se retrouve coincé dedans et ça fait qu'il y a la réduction des chaînes. Donc là il réduit 2 chaînes sur 4, c'est logique. Les chaînes les plus courtes seront celles qui seront accrochées sur la partie haute de l'escalier. Quand je vais relever, vous allez bien voir qu'il y a un côté qui lève avant l'autre. Donc là vous voyez, ça se relève à gauche en premier et ensuite la droite vient se mettre en tension. Et hop là, nickel, il est magnifique, il est pile poil parfait. J'avoue que je me suis demandé où il allait au début, c'est pour ça que j'arrive un peu comme un zinzin là. Parce qu'il y a sur ce chantier, il y a 1 milliard de cages d'escalier là. Parfois, c'est bon. On peut deviner. Ah, le téléphone qui glisse, c'est bon ça. Avec les vibrations, non mais ça c'est un effet cinématographique en live. Pas mal ça, dis donc. Donc il va là le machin. Ok. Bon, j'ai l'impression qu'il est bien en place. De toute façon, Manu, à chaque fois, lui, c'est du one shot. En général, quand il dit allez, on pose, c'est qu'il est prêt, quoi, tout de suite. Après, il y a quelques petits ajustements à faire, en bas, le scellement, le platelage, le palier au-dessus pour la prochaine volée. Et voilà, quoi, tranquille. Les doigts dans le pif, même. Ah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, petit escalier, petit coup de grue, tranquillou, one shot, facile, rapide, et voilà, donc on se retrouve pour un prochain épisode d'une journée, d'un jour un coup de grue, hop là, je me suis fait avoir moi-même. Et on se laisse sur une bannière qu'une abonnée m'a faite, donc je la remercie, je vous mettrai son Insta et son petit logo aussi au fond si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. Au niveau des dessins et son travail sur Insta. Ah, donc son but c'est de faire un peu comme moi ce que je fais avec les vidéos de la grue, c'est de les rendre un peu plus accessibles à tout le monde. Donc elle c'est sur le point de vue médical, c'est assez intéressant, hein. Je pense que ça peut vous plaire. Je vous mettrai son Insta quelque part par là, et le lien en description pour aller voir son travail. N'hésitez pas à aller vous abonner et à lui laisser un petit commentaire, un petit message en lui disant que vous venez de ma part. Voilà, donc on se quitte là-dessus les amis. À plus !